Après l'étape des hommes et femmes de l'église du christianisme céleste, l'autorité municipale et ténor du bloc républicain, M. Pipola Deni, guidé par le sens de l'unité, a rencontré ceux des religions endogènes, spécifiquement les chefs cultes des couvents, à son domicile dans la 16e circonscription électorale, ce mardi 20 décembre 2022, pour le même exercice. Celui de propager les idées phares du grand parti du cheval cabré qu'est le bloc républicain et aussi leur soutien pour que le 8 janvier prochain soit une victoire. Vous savez, pour prêter serment au Bénin, un président de la République prête serment devant Dieu, devant les mânes de nos ancêtres. Alors là, on nous dit de respecter ce que nous avons établi. Cela est établi au Bénin. Et Dieu a dit, si vous vous regroupez ensemble, vous décidez quelque chose, je suis là. Donc, soit il y a la volonté permissive de Dieu, ou la volonté parfaite de Dieu. Si jusqu'à aujourd'hui, vous prêtez serment au Bénin, c'est devant Dieu et devant les mânes de nos ancêtres, tout politicien, je dis bien, tout politicien ne doit pas écarter ceux-là aussi. Aujourd'hui, ces éléments de la nation, en matière de la grande mobilisation, ils sont champions. Donc, pour faire la politique en réalité, pour aller aux élections, il est normal et souhaitable de s'entretenir avec ceux-là pour avoir la victoire certaine. Démarré par une prière aux ancêtres, dirigée par les responsables, les chefs couvents eux-mêmes, l'autorité municipale et membres du bloc républicain a entretenu ces derniers sur beaucoup de thèmes. C'est également l'occasion pour eux de bien comprendre le sens du combat que mène l'autorité municipale Pipola Deni à travers des questions. Il leur demande alors d'hisser son parti plus pour les échéances prochaines dans la 16e circonscription électorale. Monsieur Adin, c'est un conseiller communal que je connais. Il fait partie du bloc républicain. Le parti bloc républicain, c'est un parti que j'adore. Et c'est pour ça que je suis là, pour être derrière monsieur Adin pour les législatives de 2023. Bon, à la veille de cette élection législative, je lui souhaite la chance pour profiter pour appeler massivement tous qui sont ses amis de la famille Adéni, ses amis, les alliés, pour que le résultat du 8 janvier soit un résultat fort pour lui. Une rencontre d'amitié dans une ambiance très conviviale, au cours de laquelle les garants de la tradition se sont engagés, désormais aux côtés du parti bloc républicain par le biais de l'autorité municipale, Pipola Adéni, qui joue ce rôle pour ses collègues en liste pour les législatives du 8 janvier 2023 prochain.